une rue nommée en hommage aux courses hippiques. Divers clubs étalant une vie sociale charmante. Une interdiction de danse faisant grand bruit dans la ville où les films hollywoodiens sortaient simultanément avec les États-Unis. Les concessions de Tianjin vous emmènent à cette époque moderne, boire du café et goûter les saveurs du vieux temps. Archives municipales de Tianjin sont conservées une centaine d'étiquettes de vins étrangers. Les articles importés apportaient un fort impact sur les traditions ainsi que de nouveaux choix aux habitants de Tianjin. Xu Yuan est issu d'une famille illustre. Ses grands-pères, Xu Shezhong et Ni Shezhong, ont été vice-ministres des communications de Beiyang et gouverneurs militaires de Lanhui. Les délices sont indispensables dans la vie de Xu Yuan, ce qui est prouvé par la centaine de recettes qu'elle a écrites à sa fille. À part les recettes de Tianjin et des spécialités du Jiangnan, celle des mets occidentaux du restaurant Kisling, où elle a découvert la cuisine occidentale, domine. Il y a quelques décennies, les saveurs de Kisling ont aussi enchanté la célèbre écrivaine Zhang Ailin, qui a vécu à Tianjin jusqu'à l'âge de 8 ans. Beaucoup d'années plus tard, les saveurs d'enfance l'inspiraient toujours. À Shanghai, à côté de chez moi, c'était le café Kisling, déménagé de Tianjin pendant la guerre. Chaque matin, les pains frais donnaient l'alerte à l'odorat. Une odeur exquise arrivait en perçant l'air. Quelle est cette odeur inoubliable pour elle ? Le restaurant Kisling est originaire de Dresde, en Allemagne. La ville est connue pour ses gâteaux. C'était ici que le fondateur de Kisling, Albert Kisling, avait appris son savoir-faire en pâtisserie. Après son arrivée à Tianjin, il a ouvert ses pâtisseries dans les concessions françaises et allemandes, en leur donnant un nom à la chinoise, Ticholin. Les meilleurs ingrédients du monde, tels que les chocolats suisses, le beurre néo-zélandais et la farine exportée directement d'Europe et des États-Unis, se sont transformés en œuvres d'art derrière la vitrine. Cette technique de façonner des roses à la crème remonte à 100 ans auparavant, où il existait nombre de clubs à Tianjin et chaque fête était un jour de joie. Kisling a eu l'idée de faire des gâteaux différents
pour les différentes fêtes. De nos jours, les Chinois ont déjà l'habitude d'offrir des gâteaux. Kissling ne s'attendait sans doute pas à ce que ces gâteaux puissent promouvoir un nouveau mode de vie dans cette ville. Le temps n'efface pas la mémoire. Bien que Xuyen ne puisse plus sortir souvent à cause d'une maladie à sa jambe, elle vient toujours à Kissling quand il fait beau. À sa place habituelle, au deuxième étage, à côté de la fenêtre, elle commande son plat préféré, le poisson froid acide de style allemand. Le soleil dehors lui évoque son enfance. Alors que la cuisine occidentale modifiait la cuisine chinoise, le marchand chinois Li Zhenhao cherchait aussi un nouveau modèle commercial. En 1927, il a ouvert le restaurant Fululin dans la concession française. À part des mets chinois et occidentaux, le restaurant avait aussi une salle de bal. La danse en société rapprochait les gens. On était ravis d'être plongés dans le jazz. Le bal mettait la première touche romantique à la nuit de Tianjin. Or, le business de Li Zhenhao a suscité de grandes controverses. La musique décadente du bal irritait les célébrités chinoises. Ils jugeaient la danse indécente. Ils demandèrent de fermer le bal. La presse parlait abondamment du débat. On disait que la danse serait bientôt interdite. Le bal du restaurant Fululin dut fermer. Mais au bal du restaurant national, la danse continuait comme avant. Sous la pression des célébrités et du gouvernement, le restaurant national persistait à dire que la danse n'enfreignait pas la loi et qu'il refusait de l'annuler. L'incident continuant, le bal de Fululin reprit un soir son dynamisme. Au fond des lumières, les dames en blanc dansaient et chantaient. Le lendemain, le journal Dagongbao décrivit cette scène d'un ton moqueur. Fululin ignore l'appel des célébrités pour l'interdiction de la danse. Dans cette débauche, Tianjin est comme un monde de fantômes. Si Tianjin était un monde de fantômes ou un paradis moderne, les opinions étaient partagées. Comme la ville s'orientait vers la modernité et la liberté, la danse n'était plus interdite. Les pas audacieux créaient les rythmes de la jeunesse.这吉他吧，就是这吉他吧呢，是美国的水兵舞。那时候年轻啊，十几岁啊，尤其四五年以后呢，十几岁，我们的有些个朋友嘛，也跟着一块儿上那舞厅里去，连看呢带跳，所以其中有的人呢就学会这个水兵舞。这可是原汁原味儿。现在只有天津市的这个吉他吧，是原汁原味儿的。
Sur la scène est représentée une histoire s'étant déroulée dans la concession française dans les années 30. La vie de l'héroïne, Chen Bailu, est l'interprétation parfaite de celle des danseuses. Ces dernières étaient l'attraction du bal et l'atout des marchands pour attirer la clientèle. En 1936, Wang Baolian de Beijing fut couronnée reine de la danse. Les danseuses commençaient à apparaître sur les couvertures des magazines. On les appelait stars de la danse. Le public allait au bal rien que pour apprécier leur charme. Les conversations, les danses, les champagnes, les pourboires, tout stimulait les nerfs sur la piste de danse. Au théâtre, la vie chaotique de Chen Bailu s'étale devant l'audience. Ce chef-d'œuvre de Cao Yu révèle l'autre face du temps moderne, la chute spirituelle sous la vie somptueuse. Cao Yu constatait bien la prospérité et les désavantages de la société de Tianjin de l'époque où il a situé l'histoire de ses deux œuvres, Le lever du soleil et L'orage. La vie moderne de la ville a profondément marqué ses œuvres. La metteuse en scène, Ding Xiaoping, est en train de préparer la représentation de l'orage. Elle réfléchit sur tous les détails afin de reconstituer sur scène une résidence Zhou authentique. La décoration de la résidence Zhou illustre celle des familles nobles de Tianjin de l'époque. Lorsque la culture occidentale se répandit à Tianjin, les traditions orientales persistèrent encore dans cette ville. Les nobles et les riches, grâce à leurs expériences, avaient un goût plutôt esthétique. Ainsi, l'Orient et l'Occident, la profondeur et l'élégance s'entrecroisaient à Tianjin et se faisaient ressortir. Dans les architectures conservées de la zone des 5 avenues, quel que soit le style de décoration intérieure, on trouve toujours une cheminée dans le salon. Autrefois, équipement d'Européens pour se chauffer en hiver, la cheminée a perdu sa fonction pratique suite à l'apparition du chauffage central et est devenu un symbole de la culture occidentale. Dans les résidences des 5 avenues, la cheminée occupait la place centrale tant dans les maisons privées
que dans les architectures publiques. Au club allemand, la cheminée en marbre raffiné ajoute du charme à ce bâtiment luxueux. Dans les foyers ordinaires, on peut aussi trouver des cheminées de style varié au centre des salons. La famille de Zhang Ling habite ici depuis des dizaines d'années.这个小区啊，现在叫安乐村。在过去租界地时哈，它叫老五官胡同。老五官胡同里住的是什么样人呢？是军队里当官的。它一共有20个门，一门一户。每户的客厅当中呢，都有这个壁炉。壁炉的样子可不完全一样，是各式各样的，挺漂亮的。 La cheminée représentait une vie confortable. Cet objet importé manifestait l'ouverture et la liberté de la ville. C'est une ville beaucoup plus libre, en réalité. Et les Chinois qui avaient de l'argent ont imité les étrangers, parce qu'ils étaient invités assez souvent pour les relations d'affaires dans les maisons étrangères. Et ils voyaient que c'était agréable d'avoir un bon canapé pour s'asseoir plutôt que d'être sur une chaise Ming en bois, en dur. Bon. Et que l'hiver, c'était agréable d'avoir une cheminée ou un poêle pour se chauffer. Quelle vie les gens menaient-ils aux anciens temps ? Si on remontait le temps, quelles seraient les scènes familiales chez les habitants des 5 avenues ? Les parents de Jin Longpei sont décédés il y a longtemps, mais leurs photos sont toujours posées à l'endroit le plus visible du salon. Son père, Jin Xianjai, est le fondateur de la cancérologie chinoise. Sa mère était une étudiante distinguée de l'université de Yanjing. Ils se sont mariés à Noël, il y a plus de 70 ans. Le réveillon est devenu ainsi la fête la plus importante de la famille Jin. Mon père, à ce moment-là, a été venu au club pour faire un arbre de 然后就拿一个大兜子，把那底下那土坨子装了，然后我们家里有木桶，就装那木桶里头，就是圣诞树了。然后最后呢，在这个圣诞树前头有一个有音乐的会摇摆的圣诞老人，那圣诞树脚底下这儿呢就摆很多很多的礼物。 Le piano, le ballet et l'anglais constituaient l'enfance de Jin Longpei. 我妈妈让我们从很小很小的时候，就是请了一个英国老太太，就住在利顺德，她就住在利顺德一个一楼的一个包间里头，她住了很长时间。我们呢那时候花8块美金一次啊，上一次课呀，就这胶皮就把我送到那儿去了。送到那儿去以后呢，这个老太太怎么教呢？比如说白雪公主。 他就一本精装的白雪公主的英文故事书，翻开来你就给我念。那我根本没有学过读，我怎么能会念呢？我就瞎念。比方说，念到这个 know， 认识知道 KNOW 这个字儿的时候，我怎么知道 K 不发音呢？不知道啊，所以我就念到这儿，我就 canal。 Again， 他在那洗头卷头发呢，这老师，然后他就告诉我再来一次 ，Again， 我就还是 canal， 也许为这个一个字儿就折腾个10分钟，然后他才过来告诉我 ，No，K doesn't pronounce，No， 记一辈子。 Maintenant，
Dean Rompey donne des cours d'anglais à sa petite fille. Les connaissances se transmettent de génération en génération. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. La première rencontre avec l'inconnu est inoubliable. La mémoire d'hier reste toujours très fraîche. Le cinéma fut une nouvelle habitude de voir. Quand nos yeux rencontrent pour la première fois l'écran, tout change. Li Guangxi, chanteur de 85 ans, se souvient parfaitement du choc que le film « Autant en emporte le vent » lui a donné. Ce film classique, qui a remporté 8 Oscars, est arrivé à Tianjin seulement 3 mois après sa sortie aux États-Unis. Le cinéma a ouvert un nouveau monde pour la génération de Li Guangxi. Paramount, MGM, Warner Bros, 20th Century Fox, ces studios prestigieux hollywoodiens ont tous signé des accords avec les cinémas de Tianjin, tels que Ping An, Jia Jie, Guanglu, pour le droit de projection du premier tour. 什么叫做一轮呢？一轮就是首先放映那个最好的进口的片，或者是国产片，首映就是按现在来说，它演到一定时期以后，然后呢，第二轮电影再开始演，啊，都演的差不多时间很长了，然后呢，第三轮才开始演，这样它那票价上就有很大的区别。那时候投了电影院，像平安电影院，就是楼上始终是两块钱。 Un nouveau film sortait à Tianjin en moyenne toutes les 30 heures. Cette ville est devenue un marché important pour les grands studios du monde. Les riches des concessions constituaient la majorité des spectateurs des cinémas. Une quarantaine de cinémas ont ouvert successivement à Tianjin, faisant d'elle le centre du cinéma du nord de la Chine. Les traditions évoluaient. Du petit salon de thé à la grande salle de cinéma, du banc dur au canapé souple, les bruits et les serviteurs firent place à l'ordre et à l'élégance. Des salles privées sont aussi apparues dans les foyers des 5 avenues. Une grande salle, un petit projecteur importé, un écran et quelques canapés. Le cinéma privé commençait à prendre forme. Ce bâtiment de style espagnol de 4 étages, au 79 rue Mounan, sert actuellement de crèche à la police. Il fut la résidence de la famille Bien, l'une des 8 familles industrielles de Tianjin. Ce bâtiment est rempli de souvenirs d'enfance de Bien Shuizhen.
我们小的时候，那就是解放前了，我也就是五六岁的时候，那阵儿啊，很少带我们出去看电影，但是我们家里头自己买了一个美国的那个出产的，家庭式的小型电影放映机，啊，它那个就是在我们家客厅就能演出来。我记忆最深的就是卓别林在那儿照相，那个摆好姿势，啊，一会儿总动总动，从裤腿里出来一个大老鼠。这一生当中，无论是客居海外，还是这个回到故里，我经常在梦里头想起了当年的童年的生活，啊，我这一生当中很难忘的。他干什么呢？在这里吗？行政。对，行政。哎呦，他管服装还得奖了，特别好，特别认真负责。这个是。Le cinéma à Tianjin a aussi inspiré l'art de Li Guangxi。我想，就是因为我在天津那个环境长大的，看到了很多东西，记在心里边，也是自己天性爱好的，所以呢，就借用所有三四十年代我的印象，然后到了舞台上，每次不管是演歌剧还是唱音乐会，上台就成功。很多全国来的这个文艺工作者和领导都说，哪儿出来的这么个李光羲？我现在可以通过这个电视告诉他，就是天津培养的我。Les gens du monde entier se sont croisés à Tianjin. Ils se souviennent de cette ville, même après leur départ. I think Tianjin was a really exciting place.To be at that time. I mean, there's some beautiful architecture, modern apartment buildings, sort of quaint semi-attached single family homes, grand villas. So you can imagine living in one of those places, then stepping out your door and walking to Kiesling Bakery for some German treats.Maybe some coffee, maybe a Coca-Cola, right? A new drink. Then perhaps in the evening, you might go to a party at the Astor Hotel, where you'll see, you know, Zhang Shuiliang and all these sort of famous celebrities of China. You know, Charlie Chaplin, I believe, stayed there. You might go to the cinema. You might go looking in some of the department stores in the French concession. So for people who could afford leisure, for people who had access to modern knowledge, this was a really wonderful time.